Coucou les gars, donc maintenant on va faire Mario Party 4 sur GameCube. Ça va être génial. Je vais y arriver, je vais avoir toutes les étoiles. Au revoir. Y'a carré. Hein. Allez, c'est parti. Le jeu date de 2002. J'ai essayé de le mettre en français. Ce sera peut-être mieux. Alors, donc surtout pour la vidéo, parce que sinon ça me dérange pas si c'est en anglais. J'adore l'anglais en plus. Hein. Hop, c'est parti. Commencez, let's go. Allez, hop. Ah, j'avais déjà fait une partie avec Yoshi. Quel fichier voulez-vous utiliser? On va prendre un fichier vide, hein, on sait jamais. Ça fait super longtemps que j'ai pas rejoué à ce jeu. Choisir mode de jeu. Ok. Je sais plus lequel je prenais souvent avant exactement. Non, j'aimais bien, je prenais souvent. Story mode. Ah oui, c'est story mode que je devais faire souvent. Non, mini game mode, option room, present room, extra room. Quoi le premier déjà? Party mode. On va faire story mode, c'est mieux. En gros, c'est l'histoire quoi. Que sinon, on n'aura que les mini-jeux ou des trucs comme ça. Moi, je veux tout, moi. Bienvenue dans le mode aventure. On fera peut-être d'autres modes à l'avenir aussi, hein, bien sûr. Donc, l'air du jeu, bah non, merci, hein, j'ai pas envie de lire tout ça. Choisir un personnage. Moi, je vais prendre Mario, parce que j'aime bien Mario. J'aime bien Yoshi aussi, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais dû prendre difficulté. Moi, je mets normal, hein, on va pas abuser. Mini-jeu hall, donc ça veut dire tous les mini-jeux. C'est parti. Bon, il y a un peu d'anglais quand même. J'ai mis en français, mais il y a un peu d'anglais. Donc, all, ça veut dire tout. Joyeux anniversaire, Mario. Bah, d'ailleurs, c'est l'anniversaire d'Eden vendredi. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de Mario, comme il se doit. Tout le monde a un cadeau pour toi, n'est-ce pas? Génial. Vous savez penser quoi comme cadeau? Enfin, il va falloir les mériter. Tu dois d'abord jouer les cartes que nous avons préparées. Nous ne t'offrirons un cadeau que si tu gagnes sur notre carte. C'est dommage que je peux pas choisir la petite tortue en personnage. Non, je l'aurais choisi, j'aime bien. Moi, lui, il dit rien, il met. Ça fonctionne ainsi. Il était timide, hein, l'autre. Choisir une carte ou jouer. Ouais, ok. Donc, je vous assure les gars, on fera plusieurs vidéos. Je ferai plusieurs let's play où je pourrais par exemple faire ça, ça, ça et les deux autres. Donc là je sais pas. Mes préférés, j'avoue que c'est celui de Todd et celui de lui là. Je sais pas comment il s'appelle. Donc je sais pas. On va faire Todd, allez. Et que la fête commence! Ouais. Ah bah donc, on entre dans la boîte à cadeaux. Donc, qui sont mes adversaires? Alors, ça tout de suite. Donc, si je me souviens bien, il faut que j'ai le plus d'étoiles possible avant les autres. Et de l'argent aussi, mais les étoiles c'est plus important. Si je me souviens bien. Alors, décidons maintenant de l'heure des tours. Ok. Oh, je suis dernier. Ah, j'aime pas être dernier. Je
préfère être deuxième ou troisième. Les derniers, j'aime pas. Genre, t'es obligé de patienter que les trois autres jouent avant toi et tout. Faites de votre mieux, ouais. Et venez voir la première étoile du jeu. Ah, oh, elle est toute proche. Ah oui, c'est vrai, il faut 20 pièces pour l'avoir. Ah, et puis ça, le truc avec la flèche, là, c'est casse-pieds, ça. Ouais, surtout pas que les autres gagnent au menu. Le problème, c'est que si on est en équipe dans les mini-jeux, bah, tout le monde a sa part d'argent s'ils sont gagnants. Donc c'est chaud, 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 chaud. J'espère que je vais pas encore faire un petit nombre ridicule. Ah bah, il est de retour à la case départ, lui. Bah, fallait pas qu'il joue, hein. Puisque c'est comme ça. En plus, il me fait mal à la tête. Oh là. Bon. Allez, un grand chiffre, s'il te plaît. Oh non, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Genre, c'est fait exprès, c'est pas possible. J'ai fait un tout à l'heure et j'ai refait un là, quoi. Je voulais tout sauf ça. Bon, concentre-nous sur le mini-jeu. Et 4 ballons, ok. Je sais plus c'est quoi ça exactement. Ah, c'est pas avec les abeilles ou un truc comme ça, ça. Ah non, c'est un truc comme ça, ok. Et ça me revient. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu. Je sais pas ça fait combien de temps, mais ça doit faire quelques années quand même. Donc il faut pas que je me fasse éclater. Moi c'est assez facile ça, normalement je devrais y arriver. J'ai gagné là. Ah non, faut que j'attends qu'il me reste 0 secondes. Oh les boules. Bon, on va y arriver. Ouais, mais ce qui me chagrine c'est que si je gagne, les autres, ils auront quand même leur part d'argent, il me semble. Donc ça, c'est pas cool. Parce que j'ai envie d'avoir l'étoile avant eux. Hein. C'est assez facile, ça. C'est pas trop stressant. Par contre, quand on a le rôle avec la boule avec les piquants, là, c'est plus stressant. Finish. Moi, j'ai gagné. Désolé, Wario. Est assez facile, c'est bon. Ouais, je suis deg, et les autres ils ont pas mérité leur fric là. Oh là là. Parce que s'ils tombent sur l'étoile avant moi, après, mince. Genre, ils pouvaient pas faire 3, ils seraient tombés sur la case rouge et tout. Vas-y, achète des trucs. Comme ça, t'auras plus assez pour le... Yes. Il n'y aura plus assez comme ça pour l'étoile. Mais par contre, cet objet-là sert à justement avoir l'étoile aussi. Donc, attention, c'est pas rassurant. Oh non, il est sérieux le singe là. Ah, parce que j'ai pas envie de faire la boucle moi. Allez, bien fait. Tombe sur la case rouge. On se fait pas de cadeau là-dedans. Ah, je le sens mal, je vais payer un tour. Bah ouais, j'ai fait 8. Hein. Ah, j'ai pas de peau, ça commence mal. Si Wario il aurait fait plus que 8, enfin plus que 5 cases, je sais plus exactement, bah ça aurait pu être bon pour moi là. Pour aller
vers l'étoile. Là, je m'en éloigne. Marin de 12-2. Alors ça, je sais plus non plus. Ah oui, c'est ça. Ok. Ben, ça, c'est déjà un petit peu moins facile que l'autre, on me semble. Le plus dur, c'est d'être au milieu aussi, je pense. On est déjà arrivé d'être au milieu. Ah oui, il faut que je saute, c'est vrai. Ah oui, c'est ça, en fait. Nous, on n'a aucune difficulté. C'est juste qu'on veut faire tomber l'autre dans l'eau. Ah oui, bah attendez, je vais me mettre comme ça, c'est peut-être mieux. Putain, faudrait que Yoshi, il se mette autrement, sérieux. C'est bon, on a gagné. Bah, de toute façon, il a pas assez d'argent, donc c'est bon. Regardez, il a pas les 20 pièces. Comme il a acheté sa lampe. Mais attention, hein, sa lampe, comme je le disais tout à l'heure. L'autre, il bat à perdre. Hein. En plus, c'est bien, ça lui fait des pièces. Hein. Père. Ouais, try again. Il a perdu. Try again, ça veut dire essaie encore. Mais t'as pas le droit de réessayer, donc c'est bien. Quand j'étais petit, je savais même pas ce que ça voulait dire tout ça, là, en anglais, là. Mais maintenant que j'ai appris un peu, j'arrive à comprendre. Et ça sert beaucoup dans la vie. Oh là là, mince! Il a assez d'étoiles, le fou, là. Oh, c'est pas vrai. Ah, je suis deg. Je suis deg. Bon, il y a une étoile. Yoshi, il devrait pas tarder en avoir une aussi, parce que... Dès qu'il aura assez de pièces, je pense qu'il ira... Il utilisera sa lampe pour la voir. Oui, du coup là faut arriver comme ça et tout, c'est plus compliqué là pour l'atteindre là maintenant, l'étoile. Ah, je suis deg. Oh non, j'ai pas, c'est pas vrai, j'ai encore me taper la boucle. Voilà, j'ai pas le choix. Hein. Ah oui, il peut passer par là. Voilà, les trucs. Donc pas sur une case. Ouais. Bon bah je suis deg. Je suis pas prêt d'avoir l'étoile. 9. Moi je suis obligé de refaire un tour, oh là là. Ah. Il est grand. J'ai le petit, j'aurais préféré le grand, mais le petit peut servir aussi. Hein. Ce qui est bien avec le grand, c'est que bah on peut écraser les autres. Donc quand on écrase les autres, on leur pique des pièces. Ça c'est bien. Je sais plus combien de pièces on leur pique quand on leur saute dessus, mais. Alors. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Oula, c'est moi le meneur. Je le sais, est-ce que j'étais tout à gauche là. Ok, donc là, je suis à la colonne 2 là. Donc là, le but du jeu, c'est d'arriver avant les autres. Oh là, le temps que je me remets moi pour ouvrir. Vous risquez d'entendre un petit peu la manette parce que faut appuyer comme un dingue sur les boutons. Oh là là. Là déjà, ils ont un petit peu d'avance sur moi. Parce que tout à l'heure, bah, je savais plus comment fallait faire.
Bon, j'ai vite retrouvé comment faire les faire. Hein. J'ai perdu 5 secondes quand même. Attends que je saute dessus. Oh putain, hein, il m'a pas attendu. Bon. Nous avons sur nous les autres là, wesh. C'est stressant là. Très stressant. Ah, j'ai trouvé, allez, rejoins-moi vite. Ça y est, on les a redoublés. Allez, vite, vite, c'est là. On y est. Ah oui, par contre, avec le ballon, j'y arrive jamais, moi. Putain, je fais pas moi. J'y arrive jamais avec le ballon. J'arrive pas. Bah, DK, vas-y. Hein. Il n'y a plus de corps pour sauver la mise. Non, j'y arrive pas, pourtant, j'appuie bien sur les bons boutons. Hein. Je vous jure. Jamais réussi à le faire. Ah si, ça vient un peu là. Putain, c'est pas vrai. Oh là là, on a réussi quand même. Ah, c'était chaud. Heureusement qu'il savait lui, parce que là, moi, j'arrivais pas. Ouf. Bon, on a gagné. On a gagné 3 mini-jeux là. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça sauvegarde à chaque tour. Donc ça, c'est bien. Alors. Donc, Monsieur Yoshi a fait 9. Il va aller là-bas. Ce qu'il me faudrait, moi, c'est la lampe aussi. Hein. Il m'en faudrait plusieurs. Qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Alors des fois ça peut tout changer, hein. Tout bouleverser le jeu. Genre si vous êtes dans la galère, et ben vous pouvez vous retrouver en meilleures conditions. Ou vous êtes dans de bonnes conditions, mais le pire peut vous arriver. Il peut y avoir de tout. Panique à bord. Oula. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'être concerné. Parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver sinon. On va voir. Ah non. Ah si, c'est moi. Bon. Alors, bah tu me donnes ton étoile. Allez, donne-moi ton étoile des cas là. C'est ça que tu veux. Ou des sous, mais l'étoile c'est plus important. Ah, c'est les sous apparemment. Oh non, non, j'ai plus d'argent que lui. Oh non, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est pas vrai. Regardez, j'ai 56 pièces, il en a que 20. Non, ils me veulent tout. Oh, c'est pas vrai, je suis deg. Je sais qu'il m'a sauvé un petit peu sur le dernier mini-jeu, mais quand même. Là, ça vaut pas le coup, hein. Ah, je suis deg. Il m'arrive que des trucs pas bien depuis le début du jeu. Je gagne les mini-jeux, mais le reste... Le reste, ça va pas du tout. Mais tout peut basculer, on va y arriver. Pas partir des fétistes, hein. Vas-y, père, toi. Try again. Yes, c'est bon. Par contre, moi, si j'y vais, je veux gagner. Hein. Eh oh, j'ai pas eu de chance depuis tout à l'heure. Ah, fallait que ça tombe sur moi en plus, t'as. Pour les pièces là. Oh. Parce qu'avec 20 pièces, je peux même pas m'acheter la lampe.
faut 30 pièces, je crois, ou plus, même, je sais plus. À mon tour. Oh, bah j'avance toujours pas. Et en plus, après, je dois refaire encore le tour. Ah, ça va mal, ça va mal, ça va mal. But. Ah, c'est du foot, ça. Oh là, et puis en plus ils ont mis Wario. Bon, heureusement que c'est pas le singe hein, parce qu'il est plus gros. Et il tire pas fort du tout Mario. Peut-être que j'appuie sur le bouton plus longtemps. Ah oui, voilà, c'est ça, j'appuie plus longtemps. Ah, à côté On a perdu. Là. Allez, vas-y, viens avec moi. Ah, il va avec lui. Puis franchement, je sais pas si ça aurait été une bonne idée qu'il revienne avec moi. Eh, prends pas le champignon qui écrase tout le monde, hein. Je suis pas loin de toi là. C'est bon. Ouf. C'est le vert qui écrase tout le monde. Hein. Le rose, c'est bon. C'est pour rapetisser. C'est pour passer dans les petits passages secrets là. Bon, bah voilà, hein, il a l'étoile. Hein, Donc il y en a 2 qui l'ont. Vas-y, mettez-la à côté de moi, l'étoile. Voilà, il la met tout là-bas. En plus, il y a... je sais plus qui est tout près. Bah, déjà, Wario, il est assez près aussi. Mais il y a DK, je crois, qui est plus près. Moi, je suis obligé de refaire un tour. Oh là là. Ça fait 2 fois que je me le tape ça. J'espère que je vais pas le refaire une troisième fois la boucle là. Hein. Parce que j'avance pas moi. Pour avoir l'étoile, ça va être compliqué sinon. Relais 3 nages. C'est quoi ça? Ah, c'est ça. Alors ça, j'ai jamais trop réussi. Il me semble que je réussissais jamais. Déjà en vrai, je sais pas nager. Bon, ça change pas grand chose. Hein. Ah, j'arrive pas, faut que je fasse comment ? Ah, comme ça. Ah bah, ils ont pris de l'avance sur moi. Bah là ça sert plus à rien que tu fasses quelque chose. Hein. Là je peux plus me rattraper. C'est bizarre parce que j'appuie sur les bons boutons pourtant. Ah bah elle est rigolée là. Ah j'ai avancé 1 cm. Ah si, ça y est, j'avance un peu. Même si en fait, fallait que j'appuie sur les 2 boutons en même temps, c'est tout. Hein. Donc, on nage pas tout habillé là, vous deux. Là. Donc ça sert à rien que j'aille. Là. Ouais, ouais. Thank you.
ça y est, il utilise, il a assez d'argent maintenant. Et donc du coup, ils vont être trois à avoir l'étoile. Ils vont tous l'avoir en gros, sauf moi. Oh mais lui, il est un peu triché quand même parce qu'il a pris la lampe. Hein. J'aimerais pas avoir un nombril comme ça. Hein. Lui, il l'a eu facilement. Bah, les autres aussi, en même temps. Moi qui fais Yahoo comme si j'étais content, en fait pas du tout. Parce que quand j'appuie sur le bouton gauche, il y a mon personnage qui fait... Voilà, vous avez entendu. Yahoo. J'aime bien faire ça. Déjà quand j'étais petit, j'arrêtais pas d'appuyer sur les deux boutons là en haut de la manette. Parce que j'aime bien appuyer dessus, je sais pas pourquoi. Et c'est toujours le cas. Ouais, viens pas m'emmerder toi. Hein. Désolé, mais je suis un peu vulgaire. Déjà à l'époque j'étais un peu comme ça. Ouais, jeux vidéo direct, c'est difficile de pas dire de vulgarité des fois. Alors, pourtant c'est pas des jeux pour adultes. Hein. Alors, go 7. Ouf. Je vais pas me retaper la boucle. Enfin, c'est des jeux qu'on peut jouer enfant, mais qu'on peut jouer adulte aussi, quoi. Alors, je sais pas si je vais en haut ou en... Attendez, je vais regarder le... Hop, je sais plus où elle est l'étoile. Est-ce que je fais comme ça? Sachant que j'ai l'étoile, pas l'étoile, le champignon rose. Ouais, mais non, ça le fait pas. Donc, il faut déjà être comme ça. Sauf que ensuite... Attendez, je regarde. Ensuite, il va aller là. Je regarde le trajet. Hein. Ensuite, ça... Bah, la flèche qui est là, là, vous voyez la flèche rouge là, bah, faut qu'elle soit là, sinon, bah... Mort. Donc il y a qui par là, là, je regarde s'il y a quelqu'un qui est devant moi. Il y avait des quatre tout à l'heure, mais il est plus là. Hein. Ouais, oh là là, ça va encore me tomber dessus. Ça, ouais, ça va être compliqué. Hein. Ça, je sais plus du tout c'est quoi non plus. Ça va me revenir là avec l'image. Ah oui, je crois en fait que c'est le mini-jeu où il faut monter une montagne. Oui, c'est ça, une montagne enneigée le plus vite possible. On voit les autres, il faut pas tomber. Et donc du coup là on a la manette qui tremble, et quand ça tremble il faut bien se tenir au mur, sinon on tombe. Donc ça fait, c'est assez facile, c'est assez facile comme mini-jeu. Putain, puis ils m'ont mis un gorille en plus, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus léger, hein. Enfin, un gorille ou un singe, je sais pas d'ailleurs exactement. Bon bah là, nous on aperçoit le sommet, nous, hein. Donc on va y arriver.
Gagné. Ouais, c'est assez facile ce jeu, ce mini-jeu. Ah, par contre, le voleur d'argent là, qui m'a volé tout mon argent là, je suis pas d'accord moi là. Il fallu les 20 pièces là plutôt. Oula, attention, lui il va écraser du monde. À moins qu'il n'y ait personne sur son passage. Donc là, l'avantage c'est qu'il peut voilà, faire en deux fois. Comme ça, il est sûr de faire un plus grand chiffre. Et il tombe sur le truc maléfique. Allez, vas-y, donne-moi ton étoile. Ou donne-lui son ton étoile, je sais pas. Ah, lui, il prend 15 pièces. C'est tout. Ah, je sais pas quoi. J'ai pas fait gaffe combien il avait de pièces de base. Ça se trouve, il avait même pas 15, justement. Putain, lui, il gagne encore de l'argent. Oh non, lui, il va faire un petit tour de manège. Donc en fait ça c'est ça permet de gagner un objet si je me souviens bien. Ouais. Ah donc là le meilleur objet là c'est le cristal. Il faudrait pas qu'il l'ait. Parce qu'en fait le cristal ça permet de voler les étoiles ou l'argent de tes adversaires. Et ben il l'a comme par hasard. Parce que là il peut tuer une étoile à quelqu'un et ça lui en fera deux quoi, donc là c'est juste pas possible quoi. Moi je veux pas moi. Oh encore. Ah vas-y, là je veux que ça tombe sur moi, je vais être concerné, mais cette fois-ci positivement. Merci. Bon bah on va voir hein. On va voir ça tout de suite. Moi je voudrais bien que quelqu'un me donne son étoile hein, parce que... Parce qu'ils m'ont fait perdre du temps hein. Je me suis pris le truc trois fois là, la boucle avec les flèches là. Moi. Ah, c'est pas moi. Oh. Quand c'est moi, il arrive des mauvaises choses. Et quand c'est pas moi, il va arriver des bonnes choses pour l'autre. Je suis deg. Oh là là. Oh, c'est encore pire. Ça veut dire que Wario, il va avoir deux étoiles là. Et en plus, il a un cristal avec lui. Hein. Donc là on est bien dans la crotte. Ouais. Et si la boule elle serait tombée sur moi là, sur le deuxième temps là, bah ça aurait été moi qui aurais vu l'étoile de l'autre là. J'en ai zéro moi, hein, donc alors, bon, on avance. Oui. Est-ce que j'ai assez pour la lampe pitié? Acheter un objet. J'ai assez. Alors ça, je sais plus, repousse les attaques et les miens. Donc ça, c'est pas mal aussi. C'est un peu comme le champignon vert. Là, c'est vert transparent, comme vous pouvez voir. Là, ça permet de jouer trois fois sur le dé. Et là, pareil, mes versions mini. Bon, moi ce que je veux, ce qui me tente le plus, hein, c'est ce qu'il y a de plus cher. Hein. C'est comme dans la vraie vie, ce qu'il y a de plus cher, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Soit c'est de meilleure qualité, ça tient, je sais pas. Ah non, ça c'est pas cool par contre. Ah ça c'est pas cool par contre. J'ai vraiment pas mérité ça. Hein. Mmh.
Babur Tribur. Ça, c'est un truc sur l'eau, ça, à tous les coups. C'est du vocabulaire marin, alors. Ah oui, ok, donc là. Je sais plus exactement. En gros, il faut pas se prendre les obstacles et arriver avant les autres. Je sais plus quel bouton faut utiliser. Je sais plus du tout. Mais quel bouton faut utiliser. En fait, c'est pas du tout pratique parce que. Ah. Ouais, non, j'ai jamais vraiment réussi ce mini-jeu. Je m'en rappelle. Un peu chaud. Là, je vais me prendre la pierre, là. Voilà. C'est bon. Je suis désolé pour les petits cris vraiment pas virils. Ah, c'est mort. Ouais. Bon, bah, tant pis, hein. Ce sera pour une prochaine fois. Lui, il est blindé de thunes et son compagnon, là, il a 2 étoiles, là. Il mérite pas. Ah bah non, du coup, il a plus 2 étoiles vu qu'il lui a repris. C'est vrai, je me rappelais plus. Ok. Bon, bah, je préfère ça parce que... Alors ça par contre c'est bon signe parce que ça veut dire que la flèche elle sera du bon sens pour moi après quand je vais arriver. On arrive à l'étoile, ça c'est bon. En plus il a 0 pièce donc de toute façon il n'y a pas trop à se... Il n'y a pas trop de raison de flipper. Non, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, c'est bon, je suis pas concerné. Ah oui, il utilise son cristal. C'est les sous, l'étoile. Ah, l'étoile. Il a récupéré son étoile. Hein. Ah. C'est des malades. Non, c'est pas vrai. J'avance tout doucement. Oui, bah d'un côté c'est pas plus mal parce que comme ça, je suis sûr que Yoshi il va passer avant moi sur le truc là qui tourne. Donc c'est pas plus mal. Boule surprise. Ok. Alors ça c'est quoi là? Ah c'est ça. Ah oui d'accord. Donc là en gros, faut pas se faire ramasser. Hein. Surtout pas se faire ramasser là. Alors c'est pas facile ça. Enfin, c'est moyennement facile on va dire. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus dur. Hein. Puis il y a eux qui gênent là. Ah vas-y, te mets pas là toi. Et les deux autres là se sont fait. Je peux me laisser faire, hein. Tu me prends pour qui là, Yoshi là? On va y arriver. Ouais, mais les sous que je vais gagner là, les autres ils vont en avoir aussi. C'est bon, j'ai gagné. Ils ont pas mérité. Mmh.
Je vais essayer d'avoir l'étoile là, puis après on va arrêter là pour faire une deuxième partie. Je crois que la vidéo elle dure trop longtemps. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer encore? Ah oui, un mini-jeu à tous les coups. Un mini-jeu supplémentaire. Bon, ça va, il a pris que 10 pièces. Par contre, moi j'en ai vraiment pas beaucoup des pièces. Oh non, il aurait dû choisir l'autre. Oh là là. Ouais, parce que si j'ai pas mes 20 pièces pour l'étoile, c'est mort. Mais là, je vois bien que je peux l'avoir assez facilement. Donc ça m'embêterait de. J'ai jamais réussi ce mini-jeu. Jamais. Voilà. Qu'est-ce que je disais? J'ai rien du tout à ma canne à pêche. Ah, c'est pour ça que j'aurais préféré qu'ils choisissent l'autre mini-jeu. Il était assez difficile aussi l'autre, mais moins, je trouve. Bon bah du coup 10 pièces en moins. Hein. Donc là il faut que je regagne au moins 11 pièces avant d'atteindre l'étoile, sinon c'est mal. Bon, faites des petits chiffres, vous, hein. Voilà, c'est bon. Que j'ai pas envie d'être qu'on squatte mon coin là. Bon, moi faut que je fasse un petit chiffre, hein. Oui, voilà. Parce que je veux que Yoshi il arrive avant moi là-bas. Pas l'étoile, hein, je dis bien, mais au truc qui tourne là. Et là il faut absolument que ce soit un truc facile pour que je récupère de l'argent. En plus d'ailleurs 10 pièces c'est pas suffisant, ce qui m'en manque 11 pour l'étoile. Ah bah non, parce que là j'ai gagné 3 pièces sur la caisse bleue, donc c'est bon. Mais il faut pas perdre quand même, parce que là il m'en manquera quand même des pièces facilement. Alors, c'est toujours mieux d'en avoir en stock, hein. Ah ouais, je connais ça. Faut faire le plus de points possible, c'est ça. Ah, je sais plus trop. Ah oui, on peut aller chez les autres aussi. Ah, je sais plus trop comment ça marche exactement. Ah oui, si, ça y est. Excusez-moi. Alors. Non. Ah, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est moi qui ai le moins de pièces là. Mais là, il l'a mis où je voulais. Bon, on va aller plus vite, je vais mettre au hasard. C'est bon, comme il y a. Ça marchera peut-être mieux comme ça. Ouais, ah non, par contre, je suis pas premier, je suis de. Il y en a un qui est dans les 100 presque. Je fais n'importe quoi. J'ai gagné. Oh là, j'y croyais pas. J'ai cru que j'étais deuxième. Parce que je voyais Wario là qui avait plus de points que moi à un moment là. Ouf, bon c'est bon. J'ai récupéré les pièces. Donc là j'en ai 22, donc j'ai assez pour l'étoile. Pas de panique. On va essayer de l'avoir et puis après on va arrêter cette première partie. Bah, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Il peut pas, de toute façon, il est obligé de faire le tour. La flèche, elle est pas dans le bon sens. C'est ballot. Un point d'interrogation. Oh non! Le point d'interrogation! Il tombe sur le point d'interrogation! Oh non! Ah, ça fait ça, je m'en doutais! Ah bah, c'est mort, les gars, pour l'étoile, là. Ça va pas être pour la première partie, en tout cas, je le sens. Là, on va arrêter après le mini-jeu suivant là.
Donc j'espère qu'à la deuxième partie on va vite rattraper le retard. Ah puis Wario là avec ses deux étoiles. Ah mais pourquoi il a fait un l'autre aussi là? Fallait pas faire un. Parce que du coup la flèche est revenue où il fallait pas. Je croyais trop. Ah là je tombe de haut. Ah bah vas-y, tu ouvres une lampe toi. Et en fait j'en ai acheté une lampe moi aussi. Ouais mais je sais pas si je l'utilise tout de suite. J'ai assez d'argent, donc je peux utiliser tout de suite. Mais je sais pas si... Ah, je me demande qu'est-ce que vous feriez vous à ma place. Je suis sûr que vous l'utiliserez là tout de suite. Je suis sûr. Bah écoutez, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais l'utiliser maintenant. Pardon, je fais comment? Pour prendre l'objet, je ne me rappelle plus du tout. Voir carte, objet. Ah, c'est ce bouton B, voilà. Voilà, ah, quand même, que j'ai une étoile quand même. Hein? Parce que je veux bien perdre, mais je veux pas être tout dernier, quoi. Quand même. Bon, puis de toute façon, je vais pas perdre. Hein. Si je tombe sur Monsieur Gros Nombril assez souvent, ça devrait aller. Bon, ça me fait penser à Aladdin du coup. Hop, c'est bien mérité, hein, depuis le temps que je cours après. Ouais, donc là, il me reste plus que deux pièces du coup. Prochaine étoile. Oula. Bah y a un Yoshi, il est tout près, non? 9. Non. Ah, c'est pas vrai. Pourquoi j'ai fait 9? J'ai fait 9 quand il fallait pas. Vas-y, un mini-jeu, je sais pas, mais pique-moi pas de fric, hein. Bah remarque, j'ai que deux pièces. Bah j'ai que deux pièces, hein, donc, bon c'est pas... Mais bon, j'aurais préféré ne pas tomber là-dessus quand même. Voleur. Ouille. Ah ça, je m'y attendais pas. Ça fait très mal, hein. Bon, bah là, je crois qu'il va se passer un mini-jeu. Bon bah c'est parti. Donc, du coup ça fait deux mini-jeux là. Il y a encore celui-là puis celui qui termine la partie, cette partie là. Et on se retrouvera ensuite pour la partie 2 du let's play. Donc c'est parti. Les fruits de la mort, ok. Ah oui je m'en rappelle de ça. Oh là, c'est chaud. Donc non j'ai pas besoin. Donc en fait là c'est un jeu. En gros, c'est le hasard, quoi. C'est le hasard. Donc, on peut pas grand-chose. Hein. Moi, il doit aimer les cerises. Ah, j'aurais dû prendre des bananes. Ouais, c'est vraiment un hasard. S'il aime pas, en gros, il crache du feu sur la figure. Il me semble que c'est ça. Ouais. Je suis même certain. Miam, délicieux. Non, j'aurais préféré qu'il dise l'inverse pour l'autre. Bon, je vais prendre les bananes après. J'espère qu'il aime ça. Hein.
Ah, je sais plus s'il en reste des bonnes. Ah non, il a. Ah si, ça n'a pas été fait. Moi, perso, j'aime pas les bananes, sauf s'il y a du chocolat dessus. Une bonne banane avec un chocolat dessus, avec une boule vanille glacée à côté, là, miam. Banane, banane. Bon, j'espère que c'est le bon choix. Hein. Je vais pas prendre l'ananas, hein, parce que y a... Normalement, l'ananas, il faut enlever la peau et tout. Hein. Enfin, la banane aussi, hein, vous allez me dire. Mais... L'ananas, il y a des pics dessus. Bon, tu me craches pas du feu dessus. Hein. Ouf, c'est bon. Allez, les autres, t'as perdu, là. Ça, je sais, j'arrive pas à savoir c'est quoi comme fruit ça. Bon, peut-être le guerre, c'est quoi? Non, c'est je vais pas le dire, c'est pas ce quoi comme fruit. Ah, oh, j'ai une petite hésitation quand même. Bah, il a bien aimé la cerise tout à l'heure, donc. Et les bananes. Mais bon, faut pas donner les mêmes choses parce que. Bah, je vous l'ai dit, hein, c'est le hasard donc. Allez, vas-y, crache-lui dessus, c'est bon, on en finisse. Oh, c'est pas vrai. Ah merde, j'ai appuyé sur pause. Ah, je veux pas que ça me tombe dessus, hein, tout ça, moi. Allez! Bah, oh là. Eh, c'était moins une. Il restait 0 secondes quand il a pris le truc. Cerise, ça a déjà été donné. Vas-y, vas-y, crève, crève, crève. Parce que sinon, le tour suivant, c'est moi, là, et j'ai peur que ça me tombe dessus. Ah, c'est bon, c'est bon. Normalement. Ah, yes. Ouf. Bien fait pour toi, Wario. En plus, c'est toi, t'as 2 étoiles là, t'as un voleur là. Oh là là. Ouais, et encore, il est gentil. Il lui a pris toutes ses pièces, mais il n'avait pas grand chose. J'aurais préféré qu'il lui arrache une étoile. Donc, un mini-jeu. Avec quoi? Burger della mer. Voilà, c'est italien ça, non? C'est burger de l'amour, je crois, ça veut dire en français. Je pense que c'est de l'italien. Là. Bon, là, je connais pas l'italien. Mais là, j'ai réussi à traduire. Amor, ça veut dire je t'aime. Tiamo, un truc comme ça. Faut pas confondre avec l'espagnol parce que ça se ressemble un peu quand je trouve. Yes, j'ai trouvé le bon. Donc là, c'est pareil, c'est un peu le hasard. Hein. Le hasard et aussi la rapidité. Ça fait, il y a les deux là. Donc après ce mini-jeu là, on va se quitter pour se retrouver à la prochaine vidéo. On va gagner là, j'espère. Oui, c'est bon, on l'a celui-là, c'est dans la poche.